Allez, voici une superbe vue de la mer et de Cancale, vue des hauteurs. Et nous sommes repartis pour aller à Coudeville-sur-Mer, car nous avons resté qu'une nuit à Cancale et nous n'avons pas visité la petite ville étant donné qu'on l'avait fait il y a quelques années en arrière. Vous verrez aussi sur la route de encore, comme toujours, de beaux paysages. Je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo à Coudeville-sur-Mer. À bientôt. Regardez-moi cette vue magnifique sur Cancale, le Mont Saint-Michel qui est juste en face avec le soleil. Et là, on arrive sur Cancale. Et on y retourne. On revient à la route où qu'on est venu hier. Ouais. C'est un peu plus loin que t'as acheté les moules. Ouais. Par là-bas? Ouais. À droite.
avait tous les... Je vais pas sortir de là. Ah pour... non, bah je sais. Mais t'as les voitures, là, j'ai pas dire. Bah oui, mais pourquoi tu m'as pas laissé faire? Je me mets dans le fond. Oui, bah vas-y, mets-toi dans le fond. Les filets dans le frigo, on peut en mettre les moules. On les met dans la soupe derrière. Ouais.
Ah, tu vas prendre des moules, hein, c'est sûr. Ouais, je vais prendre des moules et puis du poisson. S'il y en a. S'il y en a. Mais pas, pas des poissons bizarres. Hein. Non, mais je vais prendre du maquereau ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme poisson déjà. Alors je vais essayer de voir ce qu'il y a. Vas-y doucement quand tu seras là. Ça, c'est sûr qu'on l'aura le poisson. Et on aura sans doute sur la route, mais bon. Ouais, mais là, on n'aura pas. J'ai vu qu'il y avait le pape, il s'est dit merde, si on reste deux jours là-bas et puis qu'on peut pas aller. Oui. Je vais quand même reprendre du pape. Bon, 5 euros et quelques parce que c'est de l'artisanat. Hein. Mais bon, j'ai dit on va goûter au bon pain parce que le monsieur il se lance dans du pain cuit au four et artisanal. Et là, c'est un truc des artisans de la région. Et après, son pain il sera vendu à l'intérieur, mais là il commence à présenter son. Comme je dis, autant mieux de lancer des gens comme ça que de donner des sous au noir et aux arabes dans une boulangerie. C'est pas assez un peu là. Là c'est. Bah non, c'est tout le monde. Je sais pas. Bon, DVD, tu non, m'arrêtes, va tu tout droit. Non, non, va tout droit. Bon, c'est pas évident là pour rentrer là. En plus, il y a un gros trou, maman. Tu risques de te prendre dedans. Bon, tu auras peut-être des obus, mais bon. Après, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. On verra. Comme les mots, tu ne vas pas les acheter. On va aller vers le Mont-Saint-Michel, après on verra sur la route comment ça se passe. Normalement, on doit longer la mer. L'eau de la Bretagne, c'est déjà combien ? L'eau de Bretagne. Nous, on va à gauche. Mont-Saint-Michel. Parce que nous on est arrivé de par là-bas. Ouais. Ça fait un bien d'hiver. Ah lui là, il est réveillé de feu rouge. Ouais. J'ai l'habitude ici. Je connais. Ben ça c'est ceux qui travaillent c'est ceux qui travaillent au aux huîtres, sauf que des huîtres et des moules. Ah, des moules on verra, des huîtres on verra ça. On a dit qu'on en mangerait mais on irait au restaurant. Oui. Parce qu'on va pas s'embêter si de toute façon j'ai pas pris de couteau à huîtres. Si on en trouve un comme ça là, au bord de mer. Oui. Là, c'est moi.
rivière de... Où c'est? Et on a dormi là, cette nuit, on est vendredi.
courageux, les gens, de voyager à pied, là. Ouais. Peut-être qu'il faut la marche de... Comment ça s'appelle, là ? Qui va jusqu'à l'Espagne. Ouais, les magasins à la ferme et puis apparemment...